Il y a quelques mois, avec mon beau-frère, on a décidé de créer une écurie de groupe, quelque chose qui nous titillait l'un et l'autre depuis pas mal d'années. Et on a décidé d'embarquer deux autres amis avec nous. Et l'idée, c'est de se faire un plan à 3 ans en mettant une part d'apport personnel. On a émis aussi le souhait de lever une dette. Donc pour ça, il fallait quand même constituer une société avec une forme juridique bien spécifique. Alexandre, qui est un ami à la base, il avait déjà une mini écurie de groupe, mais qui était écurie de groupe dans les faits, mais pas, il n'y a pas de structure sociale autour de ça. J'ai pensé que Equiserre était les mieux placés pour nous conseiller sur le mode de développement d'une écurie réellement en tant que société. En discutant de ça avec Charles, il m'a tout de suite donné les contacts d'Equiserre par le biais de Lorraine Chevelier. Je suis juriste Equiserre au CERF France Mayenne-Sarthe, aussi référente Equiserre National. J'aide les clients en fait à constituer des sociétés, que ce soit des entraîneurs, des éleveurs. J'interviens aussi dans les centres équestres pour tout ce qui est chevaux de sport, rédaction de contrats, conseil juridique de manière globale, que ce soit en droit rural, droit des sociétés. C'est essayer de leur apporter des réponses à toutes leurs questions et puis avoir voilà, toujours un lien avec la filière cheval. Lorraine s'est occupée de tout. Nous, on est passionnés, on est prêts à y consacrer du temps, mais il y a une notion professionnelle et technique du métier qu'on n'avait pas et que Equiserre nous a apporté. Le conseil qui va avec la comptabilité, qui va avec l'optimisation, donc on est sur quelque chose qui est vraiment voué au cheval et aux entreprises qui sont autour de ça. Je crois vraiment au développement des écuries de groupe. Je pense que c'est vraiment le futur dans le milieu des courses hippiques. Souvent, c'est un projet qui se fait sur du long terme parce que voilà, on ne constitue pas une écurie de groupe du jour au lendemain. Il y a tout un travail en amont qui est réalisé avec les clients afin de connaître les objectifs. Et ça permet vraiment de développer la multipropriété dans les courses hippiques. Parce qu'aujourd'hui, avoir un cheval de course tout seul, ça peut être assez coûteux. Et puis les écuries de groupe, ça permet vraiment d'inciter des gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose à venir prendre une part. Après, nous, on a juste à s'occuper de la partie animale, quelque part. Parce que donc le volet juridique financier, on l'a vu, c'est dans les mains d'Equiserre et on est tranquille là-dessus. Être au plus près des clients, c'est génial. Et de vivre leur passion avec eux, c'est vraiment super.